vivant? Est-ce que vous le savez? Savez-vous qui est vivant? Il est
prospérité. Amen. Mes frères, cela est formidable. Amen. Quand vous dites que Jésus est Seigneur, amen, cela signifie que vous croyez, amen, que l'esprit qui règne chez les bafoubas, l'esprit qui règne chez les mandingues, cet esprit va s'agenouiller devant Jésus. N'appelez pas un pur
Mauvais, c'est que Dieu a appelé. Si Dieu dit que celui-là, c'est mon fils ou c'est ma fille, même s'il ne te plaît pas, accepte que c'est la fille ou le fils de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Ici en Belgique, vous allez voir que le roi a plusieurs enfants. Et vous allez voir parmi eux, il y a Maître Laurent. Je crois que la plupart d'entre vous ici connaissez Laurent. C'est un prince qui fait un peu le tabac ici. Et en Angleterre, il y a le prince Harry. Vous voyez? C'est un prince qui a décidé de vivre comme tout le monde et tout ça. Mais je vous dis que c'est un prince. Même s'il n'est pas comme William, mais c'est un prince. Nous, on a eu Saddam Hussein, on a eu qui d'autre là? Opérationnel, tout ça. Vous voyez, tous étaient des fils de leur papa. Mais ils ne sont pas pareils. Bien. J'aimerais que vous le compreniez. Alors, Dieu a fait des dons aux hommes pour que vous qui êtes bons, vous allez à la perfection. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, si on corrige certaines choses qui vous concernent, mais c'est dans le but de vous amener à la perfection. Amen. Ce n'est pas que vous ne soyez pas bon. Non, vous êtes bon. Mais pour Dieu, bon ne suffit pas. Amen. Vous devez être comme notre Père dans le ciel l'est. Vous avez tout compris. Donc c'est pour ça que nous venons ici. Tous nous venons ici pour cela. Nous voulons que Dieu nous rende parfaits. Ok. Alors nous prenons Isaïe 35, 8. Donc nous revenons toujours à ça. Parce que c'est important pour nous. Il y aura là un chemin frayé. Païwana, Nzela Boko, Oyo et Salama et Kosala. Une route. On appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Amen. Notre message, cela ne dépend pas de la théologie. Oh non, je vais apprendre la théologie, je vais faire beaucoup de cours bibliques. Non. Non. Même si tu n'as pas beaucoup étudié, même si tu ne connais pas beaucoup, si tu reçois quelque chose dans ton âme, le Saint-Esprit, tu peux même enseigner, allez, ton mari qui ne croit pas ou qui ne comprend rien. Correct. Donc tu vois, toi tu es une femme. Il va dire, quelle femme c'était? Mais toi tu comprends mieux les choses que lui. Parce que tu as trouvé ce chemin. Ce chemin est au milieu de la route. Qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Amen. Vous voyez, tu écouteras une voix. Amen. La voix de Dieu, c'est un privilège que Dieu a réservé aux élus. Beaucoup ne l'écouteront pas. Beaucoup la chercheront. Amen. Mais toi, tu l'as entendu. Amen. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit, en vérité, je vous le dis. Là, c'est Jésus qui parle, dans Jean 5, 24, je crois. Quiconque écoutera ma voix, il vivra. Est-ce que combien ont écouté la voix de Jésus, là, en Palestine? Je crois que c'est des millions, non? Ils venaient quand ils prêchaient. Est-ce que tous ceux-là ont été sauvés? Non.
Mais de quelle voix on parle? Amen. C'est pourquoi faites attention. Amen. Quiconque écoutera ma voix a la vie éternelle. Amen. Oh, mais la voix, il suffit d'écouter la voix. Mais nous attirons l'attention de l'épouse ici. Amen. Parce que la voix du septième ange a sonné au temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Bienveillant Père Céleste, nous avons pris et lu ta parole. Amen. Nous savons que ce n'est pas notre parole, c'est toi qui nous l'as donnée. C'est pourquoi nous revenons à toi. Amen. Toi, tu en es l'auteur. Amen. Je prie, Seigneur, que nul ne sorte d'ici sans que tu puisses lui parler. Amen. À commencer par moi jusqu'à chacun de nous ici. Amen. Dis-nous quelque chose, Père. Parce que nous voulons que tu corriges tout ce que tu nous as donné. Parce que nous avons appris. Amen. Que tu as comme objectif de nous amener à la perfection. Les hommes de ce monde disent que la perfection n'est pas de ce monde. Mais toi, tu nous as dit dans Matthieu 5, soyez parfaits. Comme votre Père dans le ciel est parfait. Noé était un homme parfait. Abraham était parfait. C'est toi qui les as appelés parfaits. Nous voulons être parfaits aussi. Nous avons compris, Seigneur, que c'est toi qui nous rendras parfaits. Ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, ni sur Babel, mais ça sera par ton esprit. C'est pourquoi nous nous prêtons à ton esprit pour nous amener à la perfection. Satan, éloigne-toi, parce que nous avons trouvé le chemin. Nous avons choisi de marcher sur ce chemin. Prends notre main, Seigneur. Tiens notre main et conduis-nous, Seigneur, sur cette voie. Que les esprits mauvais s'éloignent des gens. Je bloque toute puissance de la sorcellerie ici. Je raccapte toute puissance satanique. Nous paralysons toute puissance de l'ennemi. Je coupe tous les réseaux de la sorcellerie. Et je prie, Père, que nul ne sorte d'ici comme il est rentré. Et que nul ne sorte d'ici avec un enfantement. Et que chaque cœur, chaque esprit puisse te voir. Que le cœur puisse entendre ta foi. Qu'il n'entende pas la voix d'un homme. Quand je suis parlé, il pouvait entendre, Seigneur, les vibrations des accords de vos cœurs. Cela ne les a pas sauvés. D'entendre les hommes. Nous voulons t'entendre toi. Parce que 1000 paroles d'hommes, Seigneur, donnera la mort. Mais une seule parole qui vient de toi, Seigneur, donne la vie. C'est pourquoi nous voulons la parole de Jésus. Nous voulons l'esprit de Jésus. Nous voulons la puissance de Jésus. Nous voulons l'onction de Jésus. Écarte-moi du chemin, Père. Je vais Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien. Aujourd'hui, je vais continuer avec le sujet que nous avons commencé le dimanche
Je vais parler de l'ordre divin. L'ordre divin pour dire l'ordre dans les dons. Parce que les dons, c'est quelque chose de surnaturel. Vous voyez? Frère Branham dit que le don, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes là? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait un don au monde. Alléluia! Et nous savons que le don que Dieu a fait au monde, c'est son Fils unique. Jésus, c'est le don que Dieu avait fait au monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, repentez-vous, soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comprenez-vous cela? Le Saint-Esprit, c'est le don. Maintenant, le don de parler à l'homme, le don de prophétie, le don de guérison, le don de miracle, c'est un don. Vous voyez? Mais le don, c'est le Saint-Esprit. Retenez bien cela. Quand Dieu envoie un homme pour aller chercher des âmes, il ne doit pas le laisser partir seul. Il doit lui donner le don. Amen. Le don du Saint-Esprit. Jésus a dit, je serai en vous. Et même avec vous. Vous voyez? Parce qu'avec vous, il a vu que ça ne suffit pas. Amen. Il dit non. Je dois être en lui. Ensuite, avec lui. Vous voyez comment le Seigneur nous aime? Comment il est difficile à Satan, même impossible. Parce que la Bible dit, les élus seraient séduits s'il était possible. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible qu'un élu soit séduit? Frère Branham dit, c'est parce qu'il est une partie de la parole. Celui-là ou celle-là, il est à moi. Amen.
jusqu'à ce que le transfert est arrivé. Mais le un tiers est resté. Ils ont refusé de suivre Satan avant que le monde ne soit créé. Et c'était fou. Vous n'aviez pas cru à son mensonge. Amen. Amen. Regardez à vos cœurs. Même quand vous étiez païens, nous tous ici, au fond de nous, il y a quelque chose qui réclamait la justice. Votre don et le salut que Dieu vous a accordé.
salut. Oui, amen. Pour mon salut, je devais être prédestiné. Amen. Pour que cela se manifeste, je devais mettre ma vie en ordre. Amen. Je devais prendre mon baptême dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous voyez? Amen. Afin que mon salut se manifeste. Amen. La parole. Je voudrais que vous compreniez ça. Ça, c'est des choses que les pentecôtistes ne peuvent pas comprendre. Amen. Parce qu'eux, ils pensent que quand ils viennent à l'église, ils commencent à venir tous les jours. Et puis il devient gagnant d'âme. Et puis il entre dans l'équipe d'intercession. Alors en ce moment-là, Dieu l'a sauvé. Et puis il devient comme ça, n'a rien à voir. Amen. Vous voyez? Maintenant, regardez. Ici, votre église, ainsi que nous-mêmes, nous avons le même caractère que le pasteur Lys. Je l'ai lu le vendredi, aujourd'hui, je ne l'ai lu pas. Après la prédication. Dieu se cache et se manifeste dans la simplicité. Au paragraphe, prêché le 17 mars 1963. Regardez. Ça, je ne lirai pas, je vais lire autre chose. Là, le lys, c'est une fleur. Une fleur qui pousse dans les vallées ou dans la vallée. Et cette fleur, le prophète dit, sa semence, Dieu la met toujours enfouie, là, au fond des eaux. Il dit, mais Seigneur, les autres semences, on les met dans les pots, ils sont là pour remplir, je ne sais pas, des fleurs qu'on met dans les pots, ils poussent là-bas, on leur met un peu, on les arrose tout le temps. Mais le lys, Dieu prend la semence, il met dans la vallée là-bas, à un endroit où il y a la boue. C'est là où se repose la semence du lys. Vous voyez? Et quand le soleil commence à sortir, le lys sent. Il dit qu'il y a une attraction quelque part. Le lys commence à se battre pour sortir. Au paragraphe 5-6, le prophète William Branham dit, le lys traverse la boue. Il traverse les eaux. Ensuite, il va traverser la vase. La vase, c'est une masse terreuse, hein, donc, et de matière organique qui se trouve juste près des eaux, à côté des eaux, dans les vallées. Donc, il traverse toutes ces choses. Ensuite, le lys, il va déployer ses pétales. Les gens feront la beauté du lys. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette fleur! Oh là là, quel don Dieu nous a donné! Mais il y a eu des combats, des âpres combats, des difficultés pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui par la foi. La vérité! Et Frère Branham dit qu'il y a eu un lys, il parlait de son église. Ici, quand il a été planté, il dit au fil des années, il se frayait un chemin au milieu des critiques, des attaques, des flèches. Le lys a survécu. Au milieu des enfouissements, des flèches. C'est pourquoi je vous ai dit que quand j'ai été commissionné, Dieu m'avait promis des combats, des épreuves. Mais il m'a aussi dit que je te donnerai la victoire. Les membres que Dieu m'envoie ici, c'est des gens qui traversent des situations difficiles comme moi j'en ai eu. Vous voyez? Parce que vous avez le caractère de votre père. Vous devez avoir la même nature que votre père. Votre père, c'est le lys de la vallée. Alléluia. La Bible dit, Jésus était un homme habitué à la souffrance. Vous pouvez comprendre pourquoi? Parce que Jésus c'était le lys de la vallée. Parce que quand le lys a déployé ses fleurs, les abeilles vont venir prendre le pollen pour aller fabriquer
gens vont admirer la beauté, cela va en bénir la vallée, le don que Dieu a donné à l'humanité. Donc nous voyons qu'un don, il doit toujours servir à quelque chose, à donner du pollen aux abeilles, à être admiré pour que la grandeur de Dieu soit contemplée. Donc pourquoi est-ce que Dieu nous a donné des dons? Nous avons vu, je ne sais pas, j'allais parler ici, c'était le dimanche dernier ou le vendredi, je ne sais plus. Nous avons été créés à son image. Vous voyez, Jésus guérissait les malades. Jésus discernait les pensées des cœurs. Alors l'épouse a été créée à son image. Son église doit refléter l'image de Jésus. Quand les gens viennent ici, ils doivent être guéris, ils doivent être délivrés, ils doivent être sauvés, parce que c'est ce que Jésus faisait. Donc Dieu nous a donné des dons pour quoi? C'était pour continuer son œuvre. Amen. Souvenez-vous toujours de cela. Dieu ne nous donne pas des dons pour devenir important. Amen. Ou pour nous distinguer des autres. Amen. Non. Dieu nous a donné ces dons dans le but de continuer son travail. Amen. Bien, là c'est compris. C'est pourquoi vous allez voir que votre église, le Lys de la Vallée, comme je vous ai dit ce nom, ce n'est pas vous qui avez donné. Dieu qui a donné le nom à cette église. Et ce n'était pas la prophétie. Il dit, cette église, c'est le Lys. C'est un Lys. Le Lys, il pousse toujours par des souffrances. Il connaît toujours un parcours difficile. Mais quand il a déployé ses ailes, oh là là, les gens doivent l'admirer. Amen. Sans fausse modestie, vous pouvez demander à frère Richard qui sont sur Facebook, et vous pouvez demander à ma femme comment les gens m'appellent, les gens qui ne nous connaissent pas. Vous voyez, ils sont en train d'admirer quelque chose, peut-être que vous-même vous n'admirez pas, parce que vous regardez aux souffrances. Vous voyez, nous nous regardons aux souffrances, mais les gens qui nous regardent de l'extérieur, ils voient la beauté de notre peuple en train de se déployer. Le Lys. Et c'était là le contexte dans lequel un don naît et évolue. Maintenant, on avance un tout petit peu. Ici, toujours dans la même prédication, au paragraphe 108, ça je ne l'irai pas non plus. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le prophète dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il cite Ésaïe 53. Amen. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Ésaïe 53, 1, 2. Frère Branham dit, au paragraphe 59, il dit, autrement dit, celui à qui le bras de l'Éternel a été révélé, c'est celui-là qui a cru. Amen. C'est-à-dire, une église qui a cru, c'est à elle que le bras de l'Éternel se révèle. Voyez-vous cela? C'est pour ça que Frère Branham interprète Ésaïe 53. Donc, il utilisait ça à l'inverse. Donc, le bras de l'Éternel se révèle à quelqu'un qui a cru. Amen. Donc, parce que nous avons cru, Dieu a révélé son bras. Amen. Frère Branham dit, la main droite de Dieu, c'est sa puissance. Amen. C'est pourquoi j'ai répondu
dois plutôt lire à l'inverse. Le don que tu vois là, c'est le don que Dieu m'a donné pour la commission. Cette somme que tu demandes là, elle est venue ici, elle ne prophétisait pas. Elle ne savait même pas qu'elle avait des dons. C'est le don qui a fait que son don commence à. C'est pourquoi, tel que vous me voyez ici, si on me prend, on m'amène par exemple, on te donne réveil. Toi, tu deviens le pasteur là-bas. Bon, excusez-moi, je prends une autre église. N'importe laquelle. Je vous dis la vérité, n'importe laquelle. La vérité. Si on me met là-bas, vous allez voir les gens prophétiser, amen. Les malades guérir, les cancers être guéris. Pourquoi? Les dons sont liés à la commission. Je crois que ce n'est pas compliqué à les savoir. Ok. C'est pourquoi, parce que vous l'avez compris, prenons maintenant le paragraphe 218 et 219. On va lire quelque chose ici. Si vous avez compris cela, vous serez un. Amen. Si vous avez compris cela, vous serez un. Amen. Vous n'allez pas dire non. S'ils font ça, d'ailleurs, je ne serai plus là-bas. On va voir qui va prophétiser. Amen. Vous allez voir, je vais prendre des merci. Je dis merci qui est ici. Amen. Je vais commencer à travailler avec elle. Vous allez voir merci en train de prophétiser ici. Amen. Vous allez voir merci en train de discerner les pensées des cœurs. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Vous allez voir Ruth, vous allez voir Clara, vous allez vous étonner. Vous dites, mais depuis quand? Vous allez dire, depuis quand? Elle peut prophétiser. Vous allez peut-être devenir un peu jalouse. Pourquoi? Parce que Dieu élève les humbles, il abaisse les. Amen. Quelqu'un qui a reçu du Seigneur un don, il doit être humble. Tout en sachant que c'est le don qui opère, ce n'est pas lui qui le fait. Paragraphe 218. On y va? Donc, nous voyons qu'il a promis ces choses. Tomani était à la capitale de. Aujourd'hui, le problème pour beaucoup d'entre nous. Le ma problème, Esaïe, c'est que nous voulons être tellement, vous savez, tellement préoccupés. Bissot, tu l'as tellement, tout ça, préoccupé. Par l'instruction du séminaire. Où tout soit, quand ça va cambrer ma séminaire. Et de la dénomination que Dieu ne veut pas nous utiliser. Oui, ma capable de dénomination et pas être salaki, ma capable de salaki. Alors, ce que tu salis comme mot, nous avons un peu utilisé du sautier. Dieu ne peut faire qu'un homme commence quelque chose. Zambé, à combien que ça va être, mon tonneau comme mon bali comme vous abandonner quelque chose. Ou lui donner un ministère. Ou apprécier mon salaire à côté. Mais avant longtemps. Mais calamité. Il va commencer à se plier à ce que les autres déclarent. Et prendre un autre.
go. Amen. Il doit trouver une autre personne qui prendra sa parole. Amen. Il prendra la révélation divine. Amen. Et qui ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Retenez bien cela. Qu'est-ce que Dieu t'appelle comme il m'a appelé? Au lieu de regarder à mon appel, à ma commission, ce que Dieu m'avait dit de faire, je commence à regarder. Nous ici, nous nous consacrons. Je vais voir un peu. Est-ce que là-bas, aux États-Unis, est-ce que les gens font comme moi? Ils viennent à l'église prier comme. Oh non, on ne le fait pas. Bon, je vais voir un peu en Asie. Ils ne le font pas. Ils vont voir un peu. Ils ne le font pas. Hein? Alors, c'est que moi, je fais. Donc, je dois laisser parce que partout, on ne le fait pas. Mais vous savez, Dieu m'avait dit, quand il m'a appelé, ce que tu vois, quand tu seras chez toi, ne l'oublie pas. J'ai vu les gens se consacrer. J'ai vu les gens prier ensemble avec leur pasteur. Vous voyez? Quelqu'un peut venir, ou un prédicateur, dit, mais pasteur, mais non, toi tu ne devrais pas être avec les premiers comme ça, mais ça donne au kilo. Hein? Toi tu devais être là, avec, de méditer sur l'ordinateur, laissez-les, et ils vont prier, les intercesseurs. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Tu commences à regarder ce que font les autres. Eux, peut-être Dieu leur a dit de ne pas le faire. Toi, tu es quelqu'un que Dieu a appelé. Amen, amen. Attends-toi au Seigneur. Amen. Tu écouteras sa voix par les prophéties qu'il donnera ici. Soit par l'instruction que je te donnerai de la part du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est moi que tu dois écouter. Vous voyez? Si tu ne veux pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'envelopper d'un tas de soucis. Oui. Et quand tu vas devenir empesé, la parole de Dieu dit, Dieu va te lâcher. Arrêtez. Je crois que quand nous l'apprenons tous, même moi, nous devons devenir humbles. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a placé ici. Amen. Si je commence à écouter les autres personnes, au lieu de l'écouter lui, il va me mettre de côté. Il prendra un autre homme. Celui qui ne veut pas comprendre quelqu'un d'autre à sa place, il doit être un. Celui qui doit chercher à s'accrocher à Dieu, il doit s'accrocher par la prière. Il doit s'accrocher par une vie sainte. Je dois faire quoi pour lui plaire? Je dois éviter de faire ceci pour ne pas déplaire. Celui qui m'a embauché. Amen, amen, amen. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de l'ordre divin. Amen. C'est-à-dire l'ordre dans les dons. Un don, il va voir qu'il va lutter. La chose qu'il fait est admirée. Peut-être que lui-même ne le sait pas. D'ailleurs, Dieu permet qu'on s'étonne parfois de l'ampleur que les choses qui se passent avec nous. Quand on commence à dire que, ah, il y a ça, parfois tu as même honte là dans ton cœur. Voyez? Amen. C'est Dieu qui fait ça. Parce que nous devons rester humbles. Amen. Maintenant, regardez, 226 ici. Comme on y est, je termine ici et je prends une autre chose. Notez, je veux que cela entre dans nous tous parce que nous sommes tous des vases. Amen. Voilà où je suis en désaccord avec ce groupe de frères. Bon, Bogota là, et pas il va gagner. Naza en désaccord. Donc, Nélo Kouana, sur ce point-là, de Yokanakate n'a pas nous. Avec ce groupe de frères qui se sont éloignés du chemin de la lumière. Oyo, Bakena Osika, Nantela et en lumière, en polé. Ils ne pouvaient pas voir l'accomplissement de quelque chose d'inhabituel. Mais Bako, supporter que moi dans le monde où ils sont inhabituels. Quand quelque chose pour eux, parfois, mes salaires à côté et pour qu'ils s'habillent, parfois, ils paniquent, mes salaires à côté. Sans former un groupe. Oui. Alors, ils se sont réunis au Canada. 228. Voyez-vous, d'un côté, les gens sont très intellectuels.
D'un côté, au moment de la bataille, ils sont yélé, ils sont comme à la lettre des maligues. Ils sont froids et indifférents. Maligues, la manière dont papa a osé les entendre. Ils rejettent tout ce qu'il y a là. Bah, on rejette mieux ce qu'on osait de mon enfant pendant parler des situations qui paraissent. Et les autres se retrouvent de l'autre côté. Mais sous-soupé, bah, à quel point on a le ressous. De l'autre côté se trouve un groupe d'extrémistes attachés aux émotions. Bah, on peut marquer mon sika. Tu lui amènes, regarde ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit. Oh non, moi Dieu m'a parlé. Faites attention. Amen, amen. On vient d'apporter ce que la Bible dit au sujet de ton don. Oh non, moi Dieu m'a parlé. Vous voyez, frère Branham dit c'est des extrémistes. Amen. Ils sont allés de l'autre côté. Les autres. Et que les frères sautent comme ça, les soeurs. Non. Nous sommes pas oh. Comme disait une soeur qui nous a visité ici, quand il a vu l'onction, comment les gens s'agitaient, il dit non. Mais Dieu, c'était Dieu d'homme. Comment je vois les frères sous l'onction, les soeurs sous l'onction, ça signifie quoi ici? Il dit parce que moi, je sais que le Saint-Esprit, c'est un esprit d'homme. J'ai dit oui, cet homme qui avait commencé la Pentecôte. Quand il s'était livré là-bas, c'est là où cet homme avait commencé. Frère, madame, on appelait les gens de son église les relis. Cela, ce qui signifie les saints qui se roulent par terre. Quand l'onction les cesse, c'était où? Aux États-Unis, à l'est des États-Unis. À Jefferson, ville. Frère, l'église de Frère Branham, les gens se roulaient par terre. On les appelait le saint qui se roule par terre. Si dans mon église, les gens crient, sautent, se roulent par terre. Je péchais contre quelle citation de Frère Branham? Je péchais contre quelle écriture de la Bible? C'est pourquoi vous. Je vous tire les oreilles un peu pour ne pas être complexé. Vous allez rencontrer des incrédules, même qui croient ce message, ou les gens dans la rue qui vous diront, oh non, vous, comme vous faites là, moi je ne crois pas, c'est du pentecôtisme. Sachez que ce que vous faites, si moi je dois les écouter, eux, je refuserai que le Saint-Esprit fasse son travail ici. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Quand je parle des dons, je ne parle pas de vous seulement, je parle aussi de moi. Moi aussi, j'ai quelques dons que Dieu m'a accordés. Et je dois m'attendre à Dieu. Frère Branham disait que je fais, je dois être sûr que ça se trouve dans la Bible. Amen. Je dois être sûr que ça se trouve dans le message. Amen. Le prophète dit, je le vois à Éphèse. En train de tomber comme des mouches sous l'onction du Saint-Esprit. Frère Branham lui-même, quand il est allé chez les Noirs, on l'avait ramassé là-bas. Vous voyez? On l'avait ramassé là-bas. Quand vous tombez là-bas, Frère Branham est tombé comme ça. On le ramasse là-bas sous l'onction du Saint-Esprit. Alors vous, que vous soyez un docteur, que vous soyez un pentecôtiste, que vous soyez de ce message, dites ce que vous voulez. Si moi je touche ça dans ma parole, frère, je regarderai simplement à mon appel. Peut-être que je suis bizarre. Je dis, j'accepte d'être bizarre comme Dieu m'a donné terre. Après tout, on ne peut pas tous être pareils quand même. Peut-être que toi tu es tellement civilisé. Que le Saint-Esprit sait que tu es civilisé. Que les frères et les sœurs ne souffrent d'aucun complexe. Amen. Par rapport à ce qui se passe ici. Amen. C'est dans la Bible et c'est dans le message. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. 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 Si quelqu'un pense que ce n'est pas la parole de Dieu, qu'il vienne le voir. Bien. Oui, on a lu, descend. Descend combien?
Bien, si vous remarquez, sans qu'il n'y ait pas de taille malade, elle a la connaissance biblique de ce que Dieu a dit. Bato oyo, bato lingi maramamoli mo, basa ta connaissance biblique. Bah il n'y a pas de temps à l'opi. Elle est assez spirituelle pour avoir un cœur chaud. Bato, basa lui spirituel, basa la beauté ma chaud, basa la notion. Et ce n'est qu'une route. Esaïe dit là. Amen. Esaïe. Esaïe de la qui? Ce serait comme ça. Et pour ça la Congo. Il y aura une grande route. C'est là pourquoi vous venez de vous en aller. 231. Donc d'un côté on devient fanatique. D'un côté, on commet fanatique, on va les s'arrêter. De l'autre côté, on devient froid et formaliste. De l'autre côté, radical. Bon, on va les mettre de l'autre côté. Or, Esaïe a dit. Donc, Esaïe a dit. Il y aura une grande route. C'est là pourquoi vous venez de vous en aller. 233. Il a dit il y aura une grande route. Alors là, c'est là qu'on connaît les choses. C'est une conjonction, une route, vous voyez. Bon, t'as la conjonction, donc elle s'est dit voilà, le monde. Et on l'appellera pas la grande route de la sainteté. Ah, ah, bah, comment c'est là qu'on connaît la sainteté. Mais la route de la sainteté. Bah, la voix de la sainteté chez moi est écrite. Je ne sais pas pourquoi la Bible l'a écrit là. Vous voyez, Frère Branham montre ceci. Il est en train d'interpréter Esaïe 35, 8. Il dit, nous serons tous sur une route. Mais attention, Jésus a dit, la voie qui mène à la ruine, il est spacieux, terminé. Il dit, mais le chemin qui mène au ciel, il est étroit et resserré. Et c'est pourquoi le prophète dit, au milieu de cette route, il y aura un chemin. Amen. Vous voyez? Et ce chemin sera surélevé, afin que les saletés tombent d'un côté et de l'autre. Nous avons choisi d'avoir un cœur chaud. C'est-à-dire, nous avons choisi d'être spirituels, mais de garder notre connaissance de la Bible. C'est un choix clair. Amen. Donc nous resterons avec notre onction. Amen. Nous resterons avec nos prophéties. Amen. Nos parler en langue. Nos guérisons. Amen. Nos miracles. Amen. Mais nous prendrons la parole. Amen. Pour mettre de l'ordre. Mais la parole ne sera pas là pour éteindre le feu. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi n'éteignez pas le feu de Dieu. Amen. Je pense que c'est clair. Maintenant, on avance. Frère Branham dit dans l'ordre de 58, il a donné la litanie de ce que lui croit pour son église. Il dit, nous croyons dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Moi aussi, Frère Branham. Nous croyons dans le baptême du Saint-Esprit. Moi aussi, Frère Branham. Nous croyons dans la communion. C'est-à-dire, quand vous êtes baptisé, vous rentrez dans la communion avec les frères. La communion signifie parler. C'est-à-dire, quelqu'un qui accepte d'être notre frère, il doit accepter d'être d'accord avec nous tous. Amen. Pas des coteries. Amen. Non, pas des clans. Amen. Nous devons tous être dans la communion. Amen. Nous croyons dans les dons. Frère, madame, moi aussi. Vous voyez, excusez-moi, dans toutes ces choses-là, parce que moi je n'ai pas honte de ce que je crois. Amen. Quand je finis de prêcher quelque part, je n'ai pas honte de demander. Je dis, je vais prier pour les malades. Parce que je crois, Frère Madame dit dans le discernement de l'esprit, on ne peut pas prêcher sans inclure cela. Amen. Simplement. Il dit les religions sans émotion, où il n'y a pas de prophétie, de parler en langue. Il dit enterrez-moi toutes ces religions-là. On doit les enterrer. Prononcer un requiem, prendre un cercueil. Nous prenons toutes ces religions,
où il n'y a pas de miracle, où il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de parler en langue, où il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit, nous le prenons pour les enterrer. Amen. Bon, ça, ce n'est pas mon travail. C'est le Saint-Esprit lui-même qui le fera. Mais je dois le dire parce que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oh, vous avez honte de cela? Non. Oh, pasteur, si tu dis ça, tu vois, la communion avec les autres frères vont se fâcher. Mais ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Il n'y a pas de problème. Parce que pour eux, moi, je suis magicien. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne peux plus avoir peur que quelqu'un se fâche quand on donne une citation du prophète que lui-même croit. Amen. Frère, aimez les choses spirituelles. Amen. Vous serez à l'aise avec toutes les citations amen. De frère. Amen. Vous n'aurez pas peur des autres versets de la Bible. Amen. Dans votre église, moi, tout prédicateur peut venir prêcher ici. En fait, tout celui qui croit véritablement la Bible ou le message, je vais être à l'aise. On progresse un tout petit peu. Les dons, comme la Bible dit, c'est Dieu, celui qui est descendu, Jésus, qui est monté, Jésus, étant monté au ciel, celui qui a fait des dons aux hommes. Donc nous devons savoir que les dons ont été donnés. Excusez pour la tautologie, par celui-là qui est notre Dieu, et c'est celui-là qui est le donateur de tout don excellent. Jésus. Alors, il a donné diversement des dons à l'Église. La Bible parle des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Vous allez voir qu'il y a 9 dons spirituels. Et il y a 5 ministères. Les ministères eux-mêmes, ce sont aussi des dons. Maintenant, ces dons, selon la Bible et selon le message ici, ils doivent servir à l'édification. C'est-à-dire pour édifier et pour le Bakotonga. Pour construire. Un don ne doit pas servir à détruire. La parole. J'ai vu ça dans les églises. Oui. Où on a aidé quelqu'un qui a un don. Il voit que un frère ou une soeur a un peu de moyens. Il commence à m'appeler pour prophétiser sur lui. Oh, Dieu a dit, oh, tu vois ces choses-là, viens avec ça. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Le don qui commence à opérer en particulier. Frère Bonham dit que les dons doivent opérer pour l'édification du corps. Amen. Le travail des dons, ce n'est pas voir les sorcières. Ah oui. Vous devez le savoir parce que peut-être que vous commencez à vous tromper. Vous pensez que le don, donc le don lui, c'est un peu comme un détecteur de sorciers. C'est ça le don. C'est pas le travail des dons, c'est pas ça. Amen, le travail des dons, c'est construire. Amen. Édifier. Quand vous construisez, vous amenez la bâtisse à la perfection. Plus de la vallée doit être amenée à la perfection. Amen. Les dons qui sont là doivent être amenés à la perfection. Amen, amen. Les serviteurs qui sont là doivent être amenés à la perfection. Amen. Même la musique, elle doit être amenée à la perfection. Amen. Vous ne voyez pas la peine que nous nous donnons? Nous achetons ici, nous achetons la table de mixage. À combien? 900? Combien avec des titres? 1000? Combien? On achète. On achète le piano. Combien? Ah, 800 plus l'autre, la 500. 1300, je dis, on achète. Les tableaux ici, tous les bafles, combien? 600, 800, on achète. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le meilleur son possible. Amen. De la même manière que nous voulons que les gens, la chorale chante, nous voulons que la chorale fonctionne de la manière parfaite. Nous voulons que les dons opèrent parfaitement. Nous voulons aussi
Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc cela n'a pas posé de problème pour les instruments. Moi je n'ai pas en tout cas jusque là. Je n'ai vu aucun instrument qui a dit oh non pasteur, mais toi pourquoi tu veux me remplacer? Moi Jésus, je ne parle pas. Non, quand j'ai remplacé les instruments, ils n'ont pas respecté. Vous pouvez demander aux frères. Aucun instrument n'a respecté. Ils sont là. Ils sont là derrière là-bas. Pas, ils n'ont pas respecté. On les a changés, on a pris les câbles. Non, vous vous avez trop servi. On va prendre les autres. Les câbles n'ont pas commencé à faire des problèmes. Bon, je voudrais que nous soyons tous enseignés par ces câbles et par ces instruments-là. Maintenant, avançons un petit peu. Nous sommes là. Les dons, ce sont tous, comme la Bible dit, ils nous ont été donnés diversement. C'est pourquoi je suis en parlant de frère Jacques qui était allé dans une église, quelque part ici à Liège. Il dit, pasteur, quand je suis rentré, oh, mais dans l'église, tout le monde, je vis tout le monde prophétiser. Je dis, mais c'est pas normal. Il est revenu me dire, mais ce n'est pas normal. C'est pourquoi j'aimerais dire aux frères et aux sœurs, non, le seul don qui existe, ce n'est pas le prophétiser ou voir des visions, non. Les dons, il y en a neuf. Oui. Que vous soyez frère ou sœur, vous pouvez avoir le don des miracles, vous pouvez avoir le don des guérisons, vous pouvez avoir le don de discernement, vous pouvez avoir le don de parler en langue, les dons d'interprétation de l'âme, les dons, tout ça, tout ça, tout ça. L'apôtre Paul dit, là vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 14, il dit, mais tout le corps n'est pas l'œil. Amen. Mais pourquoi seulement on doit voir seulement un type de don dans l'église? Non. Ça signifie qu'il y en a qui imitent le son. Amen. Quand vous avez été appelé pour un don, c'est comme un mouton. Un mouton, il produit de la laine. La laine, ce sont ces poils-là. Hein? C'est avec ça qu'on a fabriqué par exemple ceci. Ça, c'est de la laine. Voyez? Il dit, mais un mouton n'a pas à se soucier pour dire, moi, je suis un mouton, maintenant, comment je vais faire pour produire de la laine? Frère Branham dit, non, il n'a pas besoin de le fabriquer. La laine va pousser. Amen. Pourquoi? Mais parce que c'est un mouton. Il y a un don en vous, même le pasteur ne pourra pas l'empêcher. Non. Prédication, don approprié. Prêché, je crois, le 22 décembre 1963, au paragraphe 42. J'aimerais qu'on lise quelque chose ici. Ça, c'est pour vous apaiser. Peut-être que Dieu vous a appelé. Dieu vous a dit que vous avez des dons. Mais peut-être que l'état n'est pas encore là. Ne soyez pas en train de forcer quelque chose. Frère Branham dit, vous allez gâcher votre don. Attendez le moment. Alléluia. Dieu m'a appelé au ministère depuis 2000. Il m'avait déjà dit que je serais pasteur. 2000, s'il vous plaît. Mais je n'ai jamais été pasteur jusqu'à l'an 2008-2009. Je n'avais pas besoin de me bousculer. J'ai été brebis, j'étais sage, avec ma prophétie calme. J'étais là. J'étais là dans la maison de la sœur Marie-Thérèse. Le frère Pascal était là, et sa femme aussi. Nous étions là avec le frère Nestor et les autres. Je pouvais me tenir là. Je commence à conduire la prière. Alléluia. La sœur Marie-Thérèse appelle notre pasteur là-bas, il dit même. Parce que on était ici avec le frère Franck. Il dit, je le savais. Il dit, pasteur, Dieu nous a visités ici. Vous étiez là avec le frère Franck? Oui, oui, je le savais. Amen. Il me rappelle pour me le dire. Oui, frère Pascal est là. Oui. Il est là, demandez-lui. Si c'était toi, tu es quelque part, tu pries. J'avais déjà des témoignages, des guérisons, des miracles. Amen. J'amenais parfois chez moi dans l'église. Parfois le pasteur ne donne pas. Amen, oui, c'est vrai. Mais je suis là. Je n'ai pas quitté l'église. Amen. Toi, si tu avais une petite, la petite vibration que moi j'avais là, mais tu vas déjà commencer l'église.
Frère, je veux que les gens, que vous ayez des dons, vous devez être amenés d'abord au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un don. Non. Amen, amen. C'est un cœur qui est humble et soumis à la parole. Je savais que j'avais les dons de miracle. Moi, je le savais. Parce que Dieu m'utilisait déjà. Je savais que l'onction était sur moi, à Moscou, ici à Liège, avant même que je n'aille à Paris. Mais, venez de dire, j'ai été sollicité par près de 5 personnes pour commencer une église. Jamais. Je dis, je ne commencerai une église que quand le Seigneur me le dira. Tu dois me le dire clairement. Tu dis, moi, je n'ai pas vu Pierre commencer une église par un coup de tête. Je n'ai pas vu Moïse aller libérer les gens par un coup de tête, ça n'a pas marché d'ailleurs. Amen. Jusqu'à ce que ce fut la commission amen. Donnée à travers la colonne de feu. Amen. Mais en 2008, quand Dieu m'a dit, Franck, je t'ai rencontré face à face. Amen. Oh, frère, les choses avaient changé. Amen. Les choses avaient changé. C'est pourquoi j'exhorte les frères et les sœurs que Dieu te donne un don, ça la calme. Amen. Tu as la chance d'avoir un pasteur qui peut te laisser prêcher, qui peut reconnaître ton don. Nous, on pouvait ne pas reconnaître notre don, mais je ne pouvais pas mourir pour cela. Amen. Oh non, le pasteur, lui, il a donné, il m'a donné, on a dit, oh. Bon, écoute ce que la parole de Dieu dit. Vous avez trouvé? Paragraphe 42, les dons appropriés. On y va? Eh bien. Boyoka. Ce soir, nous allons parler sur les dons. Pourquoi Boyo, donc le Benanatine à ma cape? J'aimerais intituler ceci. Nalina Benanabo Boye. Bon, j'ai noté quelque chose pendant que j'étais là à l'intérieur. Na, nota kéo, moko, tako, nazalagi, dans la kati. Les dons de Dieu sont toujours. Ma kapo yanzambi, et zalaka tango nyoso. Les dons de Dieu se trouvent toujours leur place. Non, tu as sauté quelque chose là. Les dons de Dieu trouvent toujours, après il a terminé la pensée. Oui. Après il a dit les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Oui. Les dons de Dieu sont toujours rejetés. Ah! Batou Yanzambi, Naevangeli, Ezalaka toujours rejetés. Rejetés. Et puis. Mais ils trouvent réellement leur place. Et trouvera qu'à place dans Mango. Est-ce que ça peut vous rassurer? Mais si Dieu a donné un don ou un ministère, mais ça peut commencer par être rejeté pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Ça doit commencer par être rejeté. Vous voulez un vrai don? Le vrai don commence d'abord par être. Le rejet peut être clair, ça peut être un peu le doute. Quand tu doutes sur quelque chose, tu rejettes, non? Mais soyez apaisés. Ils finiront toujours par trouver leur place. Amen. Est-ce que vous croyez dans la parole de Dieu? Amen. Ou bien la plus un message n'aura pas pasteur. Pasteur, on dira que tu pars à côté. Tu commences à murmurer. Ça signifie que même le don, ce n'est pas encore là. Amen. Moi, j'ai donné le témoignage. Je prononçais la parole. Dieu a guéri les gens ici, à Serein. Un homme avait les reins foutus là. Je n'ai même pas touché. J'ai dit, je ne te toucherai pas. Je veux prononcer une parole. Amen. Dieu te crée de nouveaux reins. Comme ça, tu sauras que Jésus guérit encore. Amen. Il va à la citadelle là-bas, des nouveaux reins, tout neuf. Yes. Ici, c'est à l'an 2001-2000. Ici, à Liège. Je donne des témoignages, bon, certains sont un peu indifférents, d'autres, bon, ils disent, frère, oh, je trouve que visionner comme on je crois que maintenant, tout,
comme il a un problème. Vous voyez? Nous, on a le discernement. Je peux voir si les gens ne croient pas. Amen, amen. Même si vous ne dites rien, je sais que vous ne croyez pas. Amen. Je donne un deuxième. Je vois que ici, ça ne passe pas. Mais je reste là. Amen. Je reste. Je n'ai pas quitté l'église. Je n'ai pas fait de problème. Non, je suis resté. Frère, si vous voulez que Dieu vous utilise, soyez humble. Amen. Croyez sa parole. Amen. Croyez que celui qui a donné le ministère, amen, celui qui a donné le don, il trouvera une place pour ce don-là. Amen. Est-ce que cela peut nous rassurer? Amen. Allez, comme ça, avançons. Prenons la prédication Apocalypse, chapitre 4. Je suis en train de parler de cela pour mettre l'ordre dans votre esprit. Parce que vous savez, on peut mettre l'ordre ici, mais si dans votre esprit, il y a des murmures, il y a des troubles, tu vas même créer des problèmes parce qu'on te fait un petit reproche. C'est pourquoi je commence d'abord par mettre de l'ordre dans ton esprit. Amen. Que tu saches quel est le parcours du don que Dieu peut faire à quelqu'un. Amen. 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 Ok. La prédication Apocalypse, chapitre 4, troisième partie, trône de miséricorde. On commence par le paragraphe 9. Vous avez trouvé? Dans le trône de miséricorde, prêché le 8 janvier 61. Oui, c'est ça. On y va. Et vous, petite église? Bon, Boyo Capino et Christian Bouquet. Je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen. La bonne délimination n'a comme la Yesu. De croître dans la grâce de Dieu. Bon dima, n'a voulu l'ensemble. Tenez ferme, regardez sans cesse au calvaire. Autant toutes les racines d'amertume. Arrêtez cela de vos cœurs. Oui, de votre cœur, de votre âme. Afin que Dieu puisse vous utiliser n'importe quand. Si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, bon, maintenant écoutez. Ce qui vous se sentir d'être vous a conduit ou conduite au salaire, donc vous comprenez. Ou si une révélation autre chose vient à vous d'une manière étrange, vous avez à révéler au lieu vous comprenez et lié au monde par n'importe quel moyen. Une révélation, ça peut venir par n'importe quel moyen, un songe, une vision, ou une voix, ou n'importe quoi, voilà. Quelque chose comme une mise en garde ou autre chose. Et là, comment on peut que nous quittons ça à l'église, mais quittons ça à tout. Faites attention. Satan est sournois et rusé au possible. Satan a maillé les mappés. Attends pour toi, l'hôpital. Confrontez cela avec la parole de Dieu. Votre pasteur. Ensuite, mais mon frère, on a aussi un bon expliqué. C'est ce que vous faites continuellement. On a mal à dire, sinon, comment vous dites, au moins, dans ce moment, on peut tomber ça dans la terre à ma bébé. Vous êtes toujours des bébés. Amen. On répète la même chose, toujours des bébés dans la foi. Dans mon église, sœur Pascaline, je l'ai vu, vraiment, sœur Pascaline. Bon, vraiment, n'a pas eu sa pasteur. Je vais l'appeler. N'a pas eu sa pasteur. Mais, dans mon livre, ma sœur Pascaline, moi, je l'ai dit dans son travail. Bon, ils allaient être là, la paix. Ils allaient être clair pour y aller. Clair, au moins, clair dans son monde. Comme je te vois, j'ai vu ma sœur Pascaline. Alors, ma sœur Pascaline, donc, elle commençait comme ça à faire des serres. Vous voyez?
Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous attendez maintenant que la personne à qui vous racontez cette histoire ait la même, une bonne attitude et des bons sentiments à l'égard de la sœur Pascaline? Non. Vous attendez ça? Non. Tu lui dis ça mercredi à 15h. 18h, on peut vous contacter. Oh, il est 18h. Il arrive. La première personne qu'elle trouve à la porte, c'est la sœur Pascaline. Tu cherches un peu s'il a des ailes quelque part. Vous voyez, Frère Branham dit, quand vous écoutez le mal, vous avez détruit votre esprit. Amen. Vous voyez, ce n'est même pas Pascaline. C'est toi. C'est toi qui voulais qu'il t'écoute. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit une révélation. Comparez cela avec l'écriture, continue frère. Confrontez cela avec la parole de Dieu. Amen. Consultez votre pasteur. Amen. Consultez pasteur Naïo. Oui. Amen. 10. Et on voit des dons et tout se glisser dans l'église. Tout le monde a Makabo et se glisser dans cette église. Ainsi que l'opération de ces dons. Et puis, pardon, moi, nous, pour travailler. Avant de les laisser opérer, tout d'abord. L'émotion otika, dont est comme un consac à coopérer. Sentez-en donc la pression sur votre cœur. Il faut que vous ayez la pression dans votre cœur. Là, c'est le frère madame qui parle à, au pasteur, à nous. Il dit, sentez la pression. Amen. Oui. Eh bien, l'ennemi est très rusé, vous voyez. Bon, Mouna, Salina, Maïe, le Mbappé. Et ceux qui mettent tout le temps les églises en pièces. Il y a beaucoup de gens dans l'église et des batailles. C'est un vrai don qui opère à fond. Don y a solo, mais bon, les gens ça, la nanéné, y a ma paix. Quelque chose que Dieu essaie de faire, mais qui opère à fond. Et donc, on peut dire, mais ils ont pour travailler ma paix. Cela va tout simplement, cela va non seulement vous faire du mal. Il y a pas qu'à côté de ça, la ma paix. Mais cela déchirera toute l'église. Parce que l'église m'obima. Examinez cela, vous voyez. Vérifiez cela d'un bout à l'autre de la Bible. D'un bout à l'autre de la Bible. Ensuite, éprouvez cela pour voir si c'est de Dieu. Si ma demande, mais qu'est-ce que vous voulez ce qui a voulu qui parle de ça? Continuez tout simplement d'éprouver cela. Amen, amen. Dans le monde, il faut qu'on mette à la boue. Tu dois éprouver le temps. Amen, amen. Et, et de le tester. Il faut qu'on mette à la boue. Voyez, si c'est parfait sur toute la ligne. Ce qui a beau et ça, ça la malade, si cela est conforme à la parole de Dieu, alors vous êtes en ordre. Les animaux, l'âme, nous en ordre. 11. Tant que la parole dit que telle chose sera là, tant que l'homme dit que l'homme vous en a, que cela s'opérera d'une certaine façon, il faut réopérer dans le lieu de mon compagnie. Tenez-vous-en bien à cela. Ne vous en détachez jamais. Il faut travailler dans ton tête. Peu importe ce que n'importe qui fait. Peu importe. Oh, ma tabouchouche, ma tabouchouche, ma combien cela semble être réel. Peu importe combien. Ma tabouchouche, ma tabouchouche, ma tabouchouche, ma là. Si cela n'apparaît pas dans les écritures de la Genèse Apocalypse, je dis un mot et ça la fait la Bible. Comme dans la Genèse, dit dans l'Apocalypse. Laissez cela de côté. Nous sommes dans les derniers jours. Donc, ça dit la Nicolas Souka. Nous
Bon, regardez maintenant. Dans le sous, si quelque chose qui opère doit être dénoncé, sauf qui et l'homme moko ou dans moko, où les amis vont opérer, va dénoncer la voix. Ou si on disait quelque chose à ce sujet, ou bien balobi, l'icabo moko le dina kongoyo. Si cela est réprouvé ou quelque chose de ce genre, sauf qu'il va s'aider à vos reproches, ou bien va s'aider à vos remarques, ou bien comme vous voyez, et que la personne qui a ce don rejette cela, mon don est dans l'icabo à rejeter les reproches. Souvenez-vous-en. Bon, il a dit cela. S'il refuse cela, sauf qu'il y a Moïse, souvenez-vous-en. Bon, il a dit cela. Ce don n'était pas authentique. Amen. Ce n'était pas Dieu pour commencer. Amen. L'Esprit de Dieu est toujours disposé à accepter la correction. Toujours correction. Il est doux et humble. Et il est disposé, vous voyez. Perrier à la vie disposée. S'il se lève et dit, je le ferai quand même. Ce qui va pétitionner les Cameroun, Yakosvaton, coopérata en particulier, continue à dire, ce qui a le vie à la pasteur, a le dit, moi je vais le faire quand même. Vous savez comment parfois. Rappelez-vous tout simplement que les esprits arrogants ne sont pas de Dieu. Pourquoi donc prendre un substitut alors que. Mais pour la limite aux autres, ils ont dit, ils ont copié, alors que. La terre entière est remplie de gloire de Dieu. Vous voyez de la vraie puissance de Dieu. Amen. Alors, pourquoi prendrions-nous un substitut? Oui, continue. Nous sommes à une heure trop avancée de la journée. Amen. Maintenant. Oui. Mais rappelez-vous, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Amen. Tout aussi sournois que possible. Et qu'il séduirait même les élus si cela était possible. Amen. Oui. Bon, je crois que. Attendez. On va prendre ici la prédication unité de 62. Je crois que c'est prêt. Je vais beaucoup lire aujourd'hui parce que j'aimerais que cela entre. Certaines choses, je le dirai pendant la réunion des bases, des dons. Ici, je lis pour que nous tous nous comprenions. Je veux que celui qui, ou celle, ou celui qui pense qu'il a un ministère ou un don, il doit être humble. Il doit aimer la correction. Parce que le don doit venir, il doit aller à la perfection. Il doit opérer selon la parole. Vous voyez? Que les dons ne doivent pas être opérés en particulier. Amen. Donc vous voulez que le don, c'est mon don, don en taille. Non. Les dons servent à l'édification du corps. La parole. On ne doit pas se servir du don pour chercher à avoir de l'influence. Amen. Sur un frère ou sur une soeur. Amen. Nous avons vu ces choses-là même à Kinshasa. Vous allez voir quelqu'un est don là. Lui, son travail. S'il prouve que vous voulez venir vers un frère, oh non, regarde, il faut l'état d'âme. Tu ne dois pas recevoir tout le monde, il faut regarder son état d'âme. Parce que le frère a beaucoup de moyens. Alors lui est en train de trier ses relations. Un don qui est en train de diviser les gens. Le don ne doit pas servir à ça. Un don n'est pas là pour diviser les gens. Ou pour semer la discorde. Ok, unité. Oui. Paragraphe 34.
Eh bien, l'Église est maintenant fiancée à Christ. Bon, Boyeba, Ecclesia, ils allaient fiancer à Christ. Nous sommes fiancés à Christ. Plus vite. En vue du mariage. Bon, n'allez. Le mariage n'a pas encore été conclu. Mariage, non, tout ça lui fait n'allez pas. Ce sera au souper des noces de l'agneau. Et vous allez au souper des noces de l'agneau, enlèvement. Nous voyons donc que l'Église est maintenant fiancée. Donc, on y a des églises, ça s'est dit, ils allaient fiancer. Comme un homme qui est fiancé à sa femme. L'autre, la mobile, il m'a dit, il est fiancé. Non, moi, si, non, mobile, il m'a dit. Que fais-tu pendant qu'ils sont. Oui, que fais-tu pendant qu'ils sont fiancés? Ben, ça, la rabbine, ils allaient pas pouvoir fiancer. Il lui offre simplement toutes sortes de choses. Bah, fiancé, à Kabila, ma paix fiancé, toutes sortes de choses. Il lui envoie des cadeaux. A qui de la cahier, ma cadeau. Il la met à l'aise. A ni à taille à l'aise. Eh bien, c'est ce que Christ est en train de faire à l'égard de son Église. Les amis Oyo, Christ a dit que ça va à l'égard de l'Église Oyo. On nous envoie les dons de l'Esprit. A la coquille de la vie, son macabre et Olimo. Comment pouvez-vous donc être fiancé? Mais Yo, aujourd'hui, vous êtes fiancé à Christ. Alors que vous niez l'existence de ces dons. Dans vos yeux, vous avez dit que Oya, l'existence est maintenant. Vous allez vous quitter à moi et au pire. Mais comment un pasteur ou un conducteur peut être indifférent? Il grossit même. Quand dans son église, il n'y a pas de don, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, c'est qu'il est indifférent. Frère, ce n'est pas moi, c'est pas Bernard Moudouba ici. Il dit, tu es indifférent. Donc que cela soit là ou pas, ça ne te fait pas de problème. Non. Maman dit, tu ne dois pas être indifférent. Amen. Si tu es fiancé, réellement fiancé à Christ, il doit t'envoyer des cadeaux. Amen. Les dons sont des cadeaux. Amen. Que Jésus envoie à l'Église. Continue, frère. Ils sont le signe même de l'amour. Les aliments et les mots, Yamoligo. C'est le signe de Dieu envers son Église. Les amis signent un temple. Envers l'Église en allié. Jésus a dit, ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. Comment ici il y a l'amour? Le miracle que Dieu fait parmi nous, c'est un signe d'amour. Frère, ne vous trompez pas. Cela signifie que Jésus nous aime. C'est tout. En retour, nous nous allons chercher à nous accrocher à sa parole. Amen. À l'ordre que lui a laissé. Amen. Amen. On y va. Eh bien, gardez ces choses à l'esprit. Bino, beaucoup m'a bien pour vous, n'a esprit de nous. L'Église doit croire chaque parole. Et l'Ecclesia a ce qu'elle a dit, il a gagné son colère. Chaque promesse. Amen. Il a gagné son. Chaque iota. Et l'autre gagné son. Et réclamer cela pour elle-même. Et s'y appliquer. Je vous ai expliqué s'exercer à quelque chose. C'est-à-dire que l'Église doit croire à chaque promesse. Qu'est-ce que Dieu a dit pour une Église locale au temps de la fin? Mais c'est dans l'ordre de l'Église. Maintenant, dit chaque église locale doit avoir les 9 dons de l'esprit, les 5 ministères. Moi, je n'ai pas encore même les 5 types de ministères. Donc, je ne peux pas dormir. Je n'ai pas encore vu totalement les 9 dons comme je veux. Mais je ne peux pas me donner du repos. Je dois travailler. Nous allons les réclamer. Oui. C'est ce que nous faisons pendant les consécrations. Seigneur, nous voulons que les dons augmentent encore en puissance, dans la précision. Seigneur, envoie aussi les dons de ceci. Ajoute ceci, ajoute cela. Amen. Amen. Tous vous savez ici comment Batafrique, comment il nous encourage. Quand tu vas voir 100 dollars,
Il dit, eh, merci, vraiment, ça m'a trouvé dans une position difficile. Oh là là, vraiment, c'est Dieu qui t'a inspiré. Si vous êtes beau, sans mentir, votre primaire, c'est la porte. Vous êtes... Vous voyez? C'est comme ça que nous avons mis sur nous. Mais c'est comme ça que nous devons agir l'égard du Seigneur. Seigneur, merci pour ce miracle. Oh Jésus, nous voulons encore la précision. Merci Père. Oh Jésus, tu as été glorifié aujourd'hui. Amen, amen, amen. Agissez de même à l'égard du Seigneur. Amen. Quand vous louez le Seigneur, quand vous le remerciez, il rajoutera. Amen. Donc, nous réclamons. Seigneur, envoie encore. Ensuite, nous exerçons. C'est là où nous faillissons. Les soeurs ici ne prient pas pour les malades, ni les frères. Ils pensent que c'est seulement les pasteurs qui peuvent prier pour les malades. Non. Là où vous êtes, dans vos familles, quelqu'un qui vient comme ça, il a un mal de tête, il a un problème au pied ou quoi, appelle-le, dit, viens, je veux prier pour toi. Amen. Tu poses ta main au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu t'exerces. Peut-être la première fois, tu ne verras pas ça. Deuxième fois, tu ne verras pas. Troisième, tu commenceras à voir. Amen. Tu sais que moi, je fais, votre pasteur n'a pas peur de prier pour les malades. Pourquoi? Mais parce que je crois dans la promesse. Je me réclame et je m'applique, je m'exerce. Avez-vous compris? Ok, continuons. Une bague. Non, je lui demande s'il est sûr que ici, là, une personne, il va lui envoyer des choses. Mais c'est que je lui demande. Amen, merci. Ok, si je lui envoyais une bague, je lui enverrai quelque chose. Non, vous dites de et non, pourquoi? Une bague. Non, vous dites de bague. Bague de fiançailles. Et si elle ne la porte pas, cela montre donc qu'elle n'a pas confiance en moi. Amen. Elle ne veut pas être mon épouse. Si Christ envoie des dons qui la première église, et que celle-ci les rejette, disant qu'il n'en est pas ainsi, qu'on aurait été bon, mais non, ce n'est pas important, qui c'est la parole. Bien, elle ne veut pas être l'épouse de Christ. Amen. Pourquoi dit que vous allez épouser la Christ? Elle est l'épouse d'un autre amant. Ah, peut-être qu'elle est ou pas de l'épouse ce soir. Et non de Christ, l'époux. Ah, et peut-être qu'elle est Christ était. Ainsi, la véritable Église garde la promesse. Amen. Église, il y a son nom et c'est qu'elle Asima et la car. Elle accepte les dons que Dieu lui envoie. Non, ça va. Est-ce que vous avez compris? Frère Branham montre clairement ici que le don spirituel, c'est quoi? C'est un cadeau. Ce sont des cadeaux. Amen. Vous avez compris? Bon, 2 Corinthiens chapitre 11 dit ceci. Je vous ai fiancé à tous. Lisez-moi ça avant que vous me preniez shalom. Vous allez m'excuser, je n'ai plus que deux citations et je termine. Je voulais vous lire aujourd'hui parce que, après, quand nous prêchons, 2 Corinthiens 11, 1 à 3. Suivez. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Sauf qu'il dit que vous voyez que la main est pour moi, vous les mains en l'air. Mais vous me supportez. N'ayez que vous allez couler que la main pique. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Oui, mais taille, vous allez dans la tête dans la pino, mais allez sous à mon corps, au centre, vous ne pas exemple. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Oui, mais taille, la promesse est bien fiancée dans mon bal et mon corps. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pour que ma présentation à Christ comme une vierge beaucoup et pure. Toutefois, Cassie, de même que le serpent séduisit Ève par la rue, Nyonka a séduisé Ève dans le au Kosa. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Amen. Ne se détourne de la simplicité.
simplicité à l'égard de Christ. Pour se détourner dans l'économie, la simplicité. Amen, amen. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ce que nous devons vous soigner, côté à l'île, un autre Jésus, qu'on présente nos paroles au sous-sous. Que celui que nous avons prêché, Oyo, les années différentes, dans Oyo, Bissoto, mais la Kipino. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, que vous le supportez fort bien. Ok, on peut en rester là. Vous voyez, frère, je vous donne un conseil. Ce message, ce n'est pas pour des gens qui sont très intelligents ou super, qui ont un QI élevé, ou des gens qui comprennent. Non. La parole de Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse a toujours été pour des gens qui ont un cœur simple. Amen. Prenez la parole dans sa simplicité. Amen. Quand Dieu dit que les dons sont pour l'Église, dans tes prières, réclame cela pour ton Église. Amen. Ce n'est pas pour une autre Église, c'est pour ton Église. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Parce que nous sommes fiancés à Christ. Donc nous avons droit à ces cadeaux-là. Oui. Les dons, c'est s'enlever du chemin, comme Frère Bernard dit ici dans le persévérer, afin que Dieu puisse t'utiliser. On peut lire ça parce que ça aussi c'est très important. Oui, on va lire d'abord Jean-Louis, paragraphe 61. Le songe, c'est quelque chose de secondaire. Bon, on la roue. Frère Branham dit ceci, ma songe, les élèves ont beaucoup les années secondaires. Ok? Qui est là à côté? Les amis, bébé. Car des gens peuvent avoir des rêves qui ne sont pas justes. Mais il n'y avait point de prophète dans le pays en ce temps-là. Il n'y avait point de prophète. C'est pour cela que Dieu dut utiliser ce qu'il pouvait. Cela nous enseigne que Dieu peut utiliser toutes les facultés ainsi que tout ce que nous avons si cela lui est consacré. Comment dire? Les années pour la vie s'arrêter, nous avons appris à utiliser la faculté de la vie, ce qui est consacré à moi et pas à lui. Mais premièrement, cela doit lui être consacré. Notez que, premièrement, il faut ma faculté dans le sol et à la consacrer et pas y a Amen. Que votre médiation le soit. C'est votre médiation. Non, non, médiation. Votre méditation le soit. Amen. Ma kanisinayo. Ce que toi tu penses, il faut être à la consacrer à Dieu. Amen. C'est-à-dire à la parole. Vous voyez? Ok, ok. Laquelle en fait reflète vos rêves. Vous voyez ce qui reflète vos rêves? Amen. Vos rêves se reflètent par rapport aux choses que vous avez dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre façon de méditer. Amen. Vous allez refléter la manière dont vous pensez sur les autres. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Dieu peut utiliser toutes vos facultés, y compris les songes. Bien que c'est un moyen secondaire, mais Dieu peut l'utiliser. Mais à quelles conditions? Ah, très bien, Sabine. À condition que vos facultés lui soient consacrées. Bon, si vous ne voulez pas que vos méditations, vos attitudes, vos opinions, si vous ne voulez pas qu'elle soit consacrée à Dieu, n'attendez pas que Dieu utilise ces facultés-là. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est un canal. Quelqu'un d'autre passera par là.
Bon, quel dit la Bible? Regardez ici. Je vais vous prévenir parce que je sais que nous tous nous rêvons beaucoup, nous voyons des songes. Hein? Ok, c'est pour ça que je veux que. Oui? Tu as trouvé? Persévérer. Pardon? Persévérer. Oui, persévérer, 234. 5 mars 64. Oh, non, qu'est-ce que j'ai dit? On lit d'abord la Bible. Ecclésiaste 5, 3. Ensuite, cherchez persévérer, 234. Verset 3. Suivez. Car si les songes naissent de la multitude des occupations. Les songes naissent de quoi? De multitude de quoi? Ce à quoi ta pensée est occupée. Frère, croyez-moi si vous pouvez. Tant que vous me voyez là, je vois beaucoup de songes. Tous les jours, d'ailleurs, moi je rêve tous les jours. Amen. Mais mes songes, je ne les prends pas pour des messages. Non. Moi, je fais des songes tous les jours, je vous dis. J'en fais même 3, 4, 5 sur une même soirée. Amen. Je vais enlever de votre tête que les songes que vous voyez, ce sont des messages. Que tous les songes que vous voyez, ce sont des messages que Dieu donne. Amen. Amen. C'est ce que Frère Branham dit ici. Quand est-ce que vos songes peuvent devenir des messages? Si vous prenez votre esprit, votre pensée, vous l'appliquez à Dieu. Écoutez, si je n'aime pas ou je ne supporte pas Frère Pascal, ne vous en faites pas. Si je vais dormir, quand j'irai dormir, Frère Pascal va avoir une clé ici, il va avoir une clé là-bas avec des cordes, en train de danser devant moi. C'est sûr. Pourquoi? Parce que je ne le supportais pas. Simplement. Toi, tu ne me supportais pas et tu t'attends à faire un bon rêve sur moi. Non. Dieu ne peut pas t'utiliser pour que tu fasses quelque chose pour moi. Amen. Les songes vont naître de vos occupations. C'est pourquoi Frère Branham dit, prends ta pensée. Prends ta méditation. Colle-la à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, tu vas me poser la question. Qui a dit la parole? La parole dit, ne soupçonne pas les frères et les sœurs. Amen. Alors, si tu ne soupçonnes pas, qu'est-ce qui va se passer? Dieu voit que ton canal est libre. Amen. Alors, s'il te montre quelque chose, tu sauras que ça, c'est peut-être Dieu qui me parle. Ce n'est pas que Dieu me parle, non, c'est peut-être. Amen. Qu'est-ce qu'on faisait à l'Ancien Testament quand quelqu'un avait un son? On l'amenait devant le tourim, Urim, Tourim. C'est le sacrificateur qui l'avait sur le pectoral. Amen. Le pasteur, on le raconte un songe. Amen. Et quand vous m'avez raconté votre songe, ne mettez pas de pression sur moi. Amen. Parce qu'il y a des soeurs et des frères, quand ils m'ont raconté un songe, ils commencent à mettre la pression sur moi. Ou non, parce qu'un songe, on est exécuté. Ou sont mon dépôt dans le temps. Mais qui te dit que ton songe, c'est un message? Mais oui, aujourd'hui, on veut mettre les choses au clair. Vous avez la correction? Amen. Mais oui, c'est qu'on fait ici. Amen. Qui vous a dit que vos songes, ce sont des messages? Amen. Qui vous a enseigné ça? Parfois, les soeurs font même loin. Oh, je finis la paix. La paix, maintenant, il avait des oreilles. Et puis, à côté de la paix, il y avait un gorille. Bon, c'est la paix là, ça doit être la soeur. La soeur Catherine. Et le gorille, ça doit être le frère Cédric. Ça doit être lui. Parce que j'ai vu la démarche à la paix. Parce que je vois quand même que ses frères, il a quand même des oreilles un peu bon.
dans un avancement. Frère, attention. Amen. Nous ne sommes pas dans une dénomination ici. Amen. Déjà, moi, je n'ai pas le droit d'interpréter les songes. Amen. Mais comment vous pouvez vous le permettre? Si vous voulez que vos songes soient bien dans ton cœur, libère d'abord tous tes préjugés. Parce que si tu continues à penser sur un frère, quelque chose qui n'est pas vrai, au moment où la tu peux te donner. Oh, parce que le tu vas je vais raconter ça à une personne d'autre. Tu vas prendre la haine, tu vas semer à cette personne-là, sur ton frère. Tu es en train de faire quel travail? Les dons sont là pour semer la discorde? Vous êtes incapable de garder les songes que vous avez vus? Si vous ne voulez pas me les raconter, gardez-les. Amen. Moi j'en fais beaucoup. Est-ce que vous me voyez tous les jours ici en train de vous raconter les songes que j'ai fait? Parfois j'ai fait même des songes ou des rêves. Je vois peut-être un frère ou une soeur, je ne sais pas, en train de faire quelque chose. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Je note. Il y a des songes que je note. Chaque fois que vous me racontez des histoires, je dis, je prends votre note. Je prends mon ordinateur, j'inscris cela. Pour que Dieu nous donne une confirmation. Amen. Croyez-moi, frère. Je vous ai déjà dit ici. Moi, j'avais eu ma fille avant qu'elle se marie. Je recevais, je ne sais pas, peut-être deux songes ou trois par semaine. D'un frère qui était en train de se marier vraiment avec le pas de nuptial, d'autres bénédictes en voile, lui à côté, donc, mais c'est ton songe. C'est pas mon songe, ni celui de bénédicte. Et puis il donne son songe, et puis il a l'air de me dire, bon, pasteur, comme j'ai rêvé comme ça, je viens quand? Pour la présentation. Oh, rassurez-vous, j'en ai eu beaucoup. Bon, maintenant, il y en a même 6 ou 8 qui m'ont amené des songes. Pourquoi ces songes-là? Vous venez à la maison. À l'époque, comme on était là tous les jours, l'église était à la maison. Après l'église, bon, on avait l'habitude du mercredi, vendredi, dimanche. Après l'église, on prépare un foufou, on met là-bas le riz. C'est Bénédicte qui vient servir parce que sa maman est dans la cuisine là-bas. Mais c'est normal que tu la vois. Quand tu vas dormir, me voilà le thé. Alors maintenant, lui c'est la même chose. Un autre dit, pasteur, bon, j'ai vu la soeur Bénédicte, c'était vraiment dans ma maison, c'était clair, comme tu te vois comme ça. C'était dans ma maison, elle passait comme ça, elle passait comme ça, elle aspirait. Je lui ai dit, frère, mais tu l'as vu, non, aspirer à la maison quand tu étais chez nous. D'où viennent les soins? Mais c'était vos occupations. Amen. Mais c'est à quoi vous regardez? Amen. Vos songes deviendront des messages quand ils seront confirmés. Ils doivent être confirmés. Tu me donnes ton songe, ne le raconte pas à Y. Parce que si tu racontes à Y, Y fait le même songe, vous venez me dire, bon, pasteur, lui aussi a vu la même chose. Non, il a vu ce que tu lui as dit de voir. Frère, renoncez à cette manière de faire. Prenez vos songes, racontez-les moi et vous restez tranquille. Amen. C'est tout. Restez tranquille. Amen. Le Saint-Esprit le prendra en charge. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Je ne veux plus que sur base d'un rêve, cela engendre des troubles. Oh non, dans mon équipe, pasteur, ça m'arrive de nuit. Je vous ai dit, moi si je n'étais pas sage, j'aurais créé des troubles entre beaucoup de gens qui sont ensemble. La vérité! J'aurais créé des troubles. Je prends, je rôle. Je disais, je vois un peu d'où cela peut venir. Ok. Calme-toi. Ce n'est pas lui. Tranquillise-toi. Ce n'est pas elle. Mais les gens ne croient pas. Ils sont têtus. Donc son songe doit être la vérité. Ça doit être ça. Donc il la transforme et il vient avec la même chose. Laissez cela. C'est le diable. Amen. Je vous dis la vérité.
Parce que vous faites des songes sur les autres, mais vous ne savez pas ce que les gens, les songes que les autres font sur vous. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Je ne peux pas vous le dire, autant que je ne peux pas prendre vos songes. Quelqu'un qui est là, en train de chercher la face de son Dieu, en train de se battre, vous allez lui dire non. Sœur, toi, on t'a vu, il paraît que tu as des cornes. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans une personne comme ça? Elle peut se décourager. Elle peut penser que c'est vrai. Et vous découragez la foi de quelqu'un qui se bat pour se redresser. Est-ce que vous réalisez cela? Laissons le Saint-Esprit sonder les cœurs et les reins. Est-ce que c'est clair? Je passe à toi si je veux parler à des adultes. Bon. Persévérer. 234. Amen. Bon, vous allez m'excuser, c'est désagréable de lire beaucoup comme ça, mais c'est important. Ah non, pardon. Trouvez-moi ça, tu peux trouver si tu as trouvé. Que quelqu'un d'autre me trouve, vous devez naître de nouveau. Péché le 31 décembre 61. Vous allez voir le prophète et c'est pas comment il est humble. Vous devez naître de nouveau. 31 décembre 1961, Jeffersonville, USA. Vous avez trouvé? Oui, trouvez là-bas si quelqu'un trouve. Paragraphe 9. Vous devez naître de nouveau le 31 décembre 1964. C'est fini, il ne m'en reste plus qu'un. Puis j'ai terminé. Les choses dont je parle, si vous ne les respectez pas, ça décourage la foi. Or, le don est là pour encourager la foi de quelqu'un. Mais nous, nos dons vont décourager la foi des gens. Non, moi je n'ai pas reçu mandat de décourager la foi de quelqu'un qui se bat. 9. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais essayons. 9, oui. Et maintenant, dans l'attente de quelque chose qui arrivera dans cette année, elle se rapporte à quelque chose, c'est ça? Oui, vas-y. Tout récemment, j'ai eu plusieurs visions. Tout récemment, j'ai eu plusieurs visions. Akba Kalami qui était dans un qui ma vision est belle. L'autre matin. Comment vous voyez? J'en ai eu encore une plus importante. Dans un qui se trouve vraiment à Motouya. Et tout semblait se rapporter à quelque chose d'important qui doit arriver. Nyonso, et ça qui beaucoup la révélé qu'on s'est rapporté des longs moments importants pour essayer de la quitter. Ainsi, je continue simplement à lui faire confiance. Naïm a continué caca au salarié confiance. Je ne comprends pas certaines d'entre elles. Ma vision vous soussoue, certaines d'entre elles n'a compris pas la côté. Et nous ne comprenons pas les visions. Ma vision, tu comprends pas la côté. Elles sont plus que des symboles et parfois nous ne les saisissons pas comme il faut. Parfois, elles en arrêtent pas symbole, que c'est ça qu'elles ont augmenté. Nous savons toutefois qu'elles sont de toute façon toujours véridiques. Vous voyez, frère Branham qui recevait certaines visions qu'il ne comprenait pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah. Vous voyez, un prophète qui avait des visions parfois sous forme de symboles qu'il ne comprenait pas. Frère Branham ne les interprétait pas. D'autres visions, il le voyait. Peut-être après un mois, Dieu lui donne l'interprétation. C'est pourquoi je vous interdis de chercher à interpréter des visions ou des songes que vous avez. Amen. Quand Dieu vous a montré un mur avec un coupe-coupe comme ça qu'on parle, dit, pasteur, j'ai vu un mur et un coupe-coupe. C'est tout. Arrête-toi là. Amen. Si tu dis non, pasteur,
il faut couper. C'est que ma joue devient du malade. Amen. Laissez ça. Dieu nous enverra l'interprétation. Amen. Amen. Parce que j'ai vu déjà voir des songes. Alors il dort, il sense, il cherche à appliquer à ça. Non, ne le faites pas. Amen. Même dans ma vie, vous allez voir des prophètes qui voyaient des choses, mais des choses qu'ils ne comprenaient pas. Donc, je verrai en lisant toutes ces citations de Frère Branham. Je voulais montrer à l'Église quel est donc sont des cadeaux que Dieu nous a envoyés. Dans la prédication persévérée, au paragraphe 234, je ne lis plus, je n'ai plus le temps. Frère Branham dit les dons, c'est savoir s'écarter du chemin. Afin que Dieu puisse t'utiliser. Est-ce que vous êtes là? Donc un véritable don doit être un. Ne cherchez pas à connaître beaucoup de choses. Sinon tu vas révéler, tu vas nous dire des choses que toi tu sembles comprendre ou connaître. Est-ce que vous êtes là? Les dons sont une grande bénédiction. C'est au moyen des dons que j'ai accompli des grands services de délivrance de beaucoup de gens ici et de certains qui ne sont pas parmi nous. Pourquoi? Parce que moi j'ai eu pour coutume de travailler dans la simplicité. Je vous dis la vérité. Moi je peux venir là et dire non, pasteur, il y a des liens là-bas, il y a des choses là-bas. Hein, qu'est-ce que on doit faire? Le Seigneur m'a dit de me détacher. Je viens, je détache les mains, je pose les mains au nom de Jésus, sois libre. La personne se lève. Tu vois, parfois, vous n'êtes pas satisfait. Donc, vous voulez pour qu'il soit détaché. Il faut qu'il graisse les dents. Amen. Non. Frère Richard est là. Il a été détaché des choses. Est-ce qu'il a, il a eu besoin de crier? Non. Amen. Le frère Richard, est-ce qu'il a eu besoin de crier? Non. Le frère Pascal est là. Il a été délié de l'épine carcaïenne. Est-ce qu'il a eu besoin de crier? Non. Jette des cas. Donc, ne vous habituez pas. Chaque esprit a sa caractéristique. Chaque service a sa particularité. Moi, quand je prie, je m'attends au Seigneur. Je ne m'attends pas à des signes. Parce que les signes peuvent tromper. Mais la foi dans la prière ne trompe jamais. Amen. Il y a des gens pour qui j'ai prié. Je peux prier pour toi ici. La délivrance, tu peux l'avoir dans 2 jours. Amen. Vous voyez? Parce que je dis. Et la chose doit arriver. Parce que si vous pensez ou vous voulez faire croire à quelqu'un qu'il n'est pas délivré, qu'est-ce qui va se passer? Mais la chose risque de rester là. Mais si moi, après la prière, tu continues à croire que la chose est partie, la chose finira par partir. Maintenant, si cela n'est pas une imagination, le Saint-Esprit nous parlera. Il dira que non, l'Esprit est là. Quand vous dites que l'Esprit est là, ce n'est pas parce que vous imaginez, c'est parce que Dieu nous a dit ou il nous a montré que l'Esprit est là. C'est pourquoi, Frère Branham dit ici, je crois dans les instructions de Gabriel à Daniel, il dit, ne nous contentons pas des faux semblants. Parce que les cieux pentecôtistes sont pleins de choses authentiques. Amen. Et donc, il est là pour l'édification, pour fortifier. Un don est là pour voir ce que notre ennemi essaie de faire. Amen. Donc, vous devez être dans votre apaisement. Amen. Parce que nous devons prendre maintenant la parole de Dieu. J'aurai des réunions avec les corps des dons pour vous montrer comment les dons doivent opérer. Amen. Les dons doivent opérer dans l'ordre. Surtout quand il s'agit de prophétiser dans l'église. Je dis bien dans l'église. Pendant une réunion, vous avez un message. Maintenant, vous devez le savoir.
on donne un message à haute voix ici. Vous restez calme un instant. Ne dites jamais Amen quand un message est en train de sortir. Parce que nous le recevons, mais nous ne sommes pas encore sûrs que si c'est un message qui vient de Dieu, jusqu'à ce que cela soit jugé par deux ou trois personnes. Témoins. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 14. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi vous voyez comme Élie est à Caen. Bon, heureusement que moi je n'étais pas à Caen. Il dit, Franck, aïe, toi tu ne connais pas ceci, toi tu ne sais pas. Oh, si Seigneur, toi tu m'as envoyé, tu m'as dit des choses et puis là, la réalité. Il dit, ça va, on va voir ça. Alors un jour, il sort là-bas, le frère Richard qui va un peu, et papa va dire, mais ça, j'avais compris, il dit, ma gagne, il a gagné. Il dit, oh, oh, il a dit, ça me si le Seigneur a le droit de crier sur moi, non? Je devais les temporiser. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai mené mon enquête. Amen. Moi, je suis patient. Amen. Parce que si tu brûles tout, aurais maté où tu vas. Amen. Quand j'ai remonté la filière, j'ai trouvé la banque. Et j'ai trouvé ce qui s'est passé. Donc, il y a des frères et des sœurs, après la réunion, ils parlaient contre l'église, ils parlaient contre moi. Maintenant, la pauvre, elle, c'était la courageuse, la porte-parole. Donc, pendant la réunion, celle qui ne pouvait pas me dire, peut-être comme ça, il attend qu'il y ait un peu de secousse, l'onction, il peut qu'il vienne me le dire à haute voix. Franck, il y a une bassine dans la tête. Oh, quand il y a une bassine dans la tête, il y a une bassine dans la tête. Après, tu viens me dire en public comme ça, que n'est rien noté. Je savais que ce n'était pas le Seigneur. Amen. Mais je voulais savoir d'où cet esprit était venu. Quand je priais pour la sœur, oh là là, elle est fâchée sur moi pendant un an. Et je crois qu'elle ne s'est même jamais remise de la colère. Vous voyez, frère madame dit, quand vous voyez comme ça, c'est que les dons n'étaient pas bien. Amen. Un don doit être humble. Amen. Il doit supporter la correction. Amen. On va prier, sœur. Il y en a d'autres qui ont accepté. Elle ne m'a jamais accepté cela. Amen. Mais c'est un Corinthiens 14. C'est dans l'ordre de l'église. Vous voyez? Frères, sœurs, les dons, ce sont des moyens secondaires. Amen. Ils peuvent faillir. Il n'y a que ce message, cette Bible, qui est infaillible. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. C'est pourquoi ils doivent être jugés. Amen. Donc vous le savez aujourd'hui. Je parle des messages qu'on donne à l'église, c'est-à-dire on s'élève, quelqu'un élève la voix pour donner l'île de la vallée, voyez. Hein, l'année qui arrive, il y aura ceci. Dieu, il y aura. Là, nous tous, quelle attitude nous devons avoir? Paul dit, nous devons tous être calmes. Nous sommes là en train d'écouter. Ne dites pas, mais non. Nous restons calmes. Nous attendons. S'il n'y a pas de confirmation, moi je prends le désir. C'est moi qui jugerai. J'irai avec ça dans la prière. Et je saurai si c'est de Dieu ou pas de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, désormais, nous sommes au courant. Amen. Maintenant, nous voulons faire ces choses dans l'ordre. Parce que nous avons vu que les dons sont là. Ils sont authentiques. On a annoncé des choses ici qu'on a vues. On nous a dit des choses qui se sont accomplies. Mais en ce qui concerne des messages individuels, c'est-à-dire que quand vous prenez quelqu'un, vous lui donnez son message. De toute façon, là, c'est la personne elle-même qui juge. N'est-ce pas? Là, ça n'a pas besoin d'être jugé par beaucoup de gens. Parce que le message individuel, c'est un message qui est adressé à la personne elle-même. Prenez la chose, les choses que je vous ai dites. D'autres détails, je le dirai dans les réunions des dons que je vais reprendre cette année déjà. Donc, le mois qui commence,
Et je crois que ça sera une bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse.
Père Céleste. Tu es notre Père Céleste. C'est pourquoi tu nous enseignes par le biais de ta parole. Et la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Tu dis encore ailleurs dans le Proverbe, mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et le prophète dit que ici, c'est la maison de correction. Merci pour ce que tu nous as dit aujourd'hui. Bénis le pasteur et tous les auditeurs, Seigneur. Que ce message puisse tourner dans nos cœurs pendant la semaine et que nous puissions le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.